Bonjour à toutes et à tous, amis et passionnés d'astrologie, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont rejoints récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne Le Ciel Bleu Astrologie et à me solliciter pour vos études, à apprécier le travail que je réalise et je vous en remercie bien sincèrement. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des parutions à venir. Donc revenons sur ce fumeux personnage de Simon qui ne nous laisse que peu d'informations sur le net concernant notamment sa vie et son enfance. Nous savons qu'il a eu usurpé plusieurs identités, mais visiblement les seules informations que je peux détenir concernant sa date de naissance nous donnent une heure de naissance à midi. Alors, je trouvais que c'était assez relativement intéressant dans la mesure où les informations contenues dans cette cartographie sont déjà suffisamment intéressantes à relever. Alors, si nous avons vu dans le reportage une information concernant, par l'enquête des journalistes qui a pu être faite, des informations sur son milieu d'origine, on voit qu'il y a un très grand écart puisque son milieu d'origine où vit sa mère actuellement semble être un quartier très très pauvre d'Israël puisque celui-ci est né en Israël, à Béni Brak. Bon, c'est un quartier très pauvre, sa mère semble toujours y vivre et on sent bien qu'il y a quand même une enclave sectaire, communautaire, et que ce jeune garçon semble en être issu. Alors, on peut ressentir et déduire, tout au long du reportage que je vous invite à voir, que le natif a été finalement livré très tôt à lui-même, parce que c'était un garçon, que c'était un homme, une personne du sexe masculin, et que c'est un milieu où le pouvoir masculin a toute son importance. Maintenant, nous allons démontrer dans l'étude de son thème que j'ai envie de dire que son thème présente une seconde nature et ça m'a fait penser à une contrefaçon, mais cette fois-ci karmique. Alors, quels sont les points du thème de Simon dans l'interprétation des signes et des aspects sur une heure supposée à midi? Donc, quels sont les points qui nous permettent de comprendre le profil de l'arnaqueur de Tinder qu'il est devenu? Quelles sont les lectures à faire dans les symboles astrologiques? Alors, rappelons déjà que la lecture des symboles, elle se fait toujours à plusieurs niveaux, pour ceux qui le peuvent, et toujours corrélée à différentes dimensions, en fonction, bien sûr, des connaissances et des niveaux de conscience de l'astrologue qui interprète, mais aussi des aspects qui, s'ils expliquent quelque chose à travers le thème et à travers la vie de ce natif, ne sont pas forcément à extrapoler, et je vous invite à être prudent sur cette erreur qui peut être faite par les amateurs d'astrologie. Ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable à l'identique pour un autre natif qui aurait les mêmes aspects, le même ascendant, les mêmes conjonctions, etc., etc. Voilà, il me fallait quand même le rappeler. Alors voyons ce que nous disent les constructions astrologiques symboliques du thème de Simon. Alors pour ma part, je trouve que les éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu, la terre, sont relativement équilibrés et que les planètes sont réparties, somme toute, presque équitablement dans ceci. Alors l'eau est cependant un élément intéressant à relever puisqu'il a trait au domaine émotionnel, mais en même temps, il est peu représenté, mais fortement compensé. Alors j'entre dans le vif du sujet. Il est fortement compensé, pardon, par Pluton, qui pour moi est l'une des dominantes du thème. Et nous reverrons Pluton plus tard pour justement comprendre de quelle façon il peut compenser. Alors le dessin planétaire du thème astral de Simon présente une planète Mars qui ouvre le bal, qui ouvre le dessin planétaire. Cette planète Mars est en Gémeaux. Elle est ensuite suivie par Jupiter un peu plus. C'est donc des signes et des planètes, pardon, qui posent une action fondée sur un postulat masculin. Mars en Gémeaux, bah, c'est quand même le masculin dans le masculin. En mémoire cellulaire,
L'association de Mars à Jupiter va tout de suite nous évoquer la loi du mal, hein, qui est ici marquée. La vibration correspond donc à quelque chose de masculin. On est avec Jupiter ici et cette conjonction de Mars, même si elle n'est pas dans les degrés, elle est dans la symbolique, elle vient nous rappeler que le natif a usurpé l'identité du fils. Il s'est dit le fils héritier du roi des diamants. Alors, c'est intéressant parce que son thème propose justement une dialectique qui tourne autour d'une problématique d'héritier. Hein, Jupiter-Mars, c'est ce que cela nous évoque. Donc, le natif vient avec cela, il agit pour perpétrer sa lignée et la force du masculin. C'est une problématique qui prédomine le thème. Donc, on peut relier cela à son usurpation d'identité. Il ne choisit pas n'importe quel père. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'or des diamants. Et il prolonge jusqu'à aller dans son goût du luxe pour s'afficher comme ne portant pas n'importe quel vêtement, n'ayant un comportement au-dessus du lot des autres. C'est le fils du roi, donc c'est le prince. Alors, dans cette configuration astrale, nous avons donc une chaîne planétaire qui commence avec ce beau Mars en Gémeaux. Ce qui n'est pas sans nous évoquer tout de suite, forcément, le côté un peu plus sombre d'Hermès, le dieu mercurien, mais qui est aussi appelé le dieu des voleurs, dans sa face sombre. Une commande qui sera conjointe avec l'astéroïde Vesta, qui est au premier degré du signe des Gémeaux. Et cette Vesta peut pousser le natif finalement à faire des choix difficiles, à s'engager sur des chemins peu recommandables, des chemins qui vont être ceux qu'on a quand on est sur Terre, c'est-à-dire quand on se confronte à l'extérieur, une fois sorti de la matrice maternelle, de la famille, eh bien ça peut prédisposer les dispositions mentales du Mercure à se mettre au service d'un intérêt intellectuel peut-être peu recommandable et certainement douteux. Bon. Ce même Mars forme un aspect de conflit aussi avec son maître, Mercure, ce qui donne forcément une tournure de perturbation au caractère du natif qui se construit finalement à l'envers. Alors même s'il se sert des attributs mercuriens en adoptant une vie avec beaucoup de mobilité, de souplesse, d'adaptabilité dans les voyages qui sont multipliés, les actes aussi dans la capacité et l'habilité à contrefaire, il est quand même dans une dimension de vécu du Gémeaux, du signe du Gémeaux, dans les dimensions inférieures. Pourquoi ? Parce qu'il utilise le verbe et l'agir qui va nuire, qui va mentir. Donc cela est possiblement un point d'appui dans l'exercice de son activité quotidienne, c'est-à-dire son travail. Mars est en maison 6, donc c'est son pain quotidien. Il agit pour mentir, pour voler, pour contrôler, etc. Donc, il cumule les connaissances, mais aussi les occasions de cumuler des avoirs ou bien des stratégies. On est sur une dialectique mercurienne, donc du Gémeaux, on passe à la Vierge, qui, elle, va être intéressée par des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pécuniaires, et va utiliser donc pour ce faire tous les chemins pour faire de toutes les villes du monde sa Rome. Et il va voyager ainsi dans le monde, à la recherche toujours de nouvelles affaires et de nouvelles escroqueries. Notez que dans son thème, au niveau de l'ascendant, si on suppose que l'ascendant est bien configuré comme tel, la Lune est affligée. Elle est conjointe, certes, d'Uranus et de Neptune, deux transsaturniennes, qui encadrent, qui enchassent comme des parrains encadreraient leur petit filleul depuis l'origine. Et on sent déjà le poids sur l'inconscient qui prédomine les mémoires du natif. Donc ça peut être ici un véritable poids qui s'est imposé au moment de la naissance du natif, un poids mais qui vient du transgénérationnel. On dirait même que c'est pour moi une prolongation hein, du vécu d'un aïeul qui cherche à réussir dans le monde visible.
La prolongation se fait pour que le succès soit réel et non plus empêché. Alors, on peut supposer que l'ascendant est vrai, que l'heure donnée est vraie. Pourquoi? Parce qu'on est sur une conjonction très forte et dominante. Et si elle est angulaire, bah, ça donne toute la puissance du thème. Et pour réaliser un destin tel que le sien, il faut bien que dans le thème, on trouve des choses qui soient en corrélation. Donc, cette puissance, elle est pour l'œuvre du bien, mais aussi pour l'œuvre du mal. Bon. D'autres points aussi vont préfigurer le destin hors norme de ce natif. On est quand même sur une dominante plutonienne, une dominante uranienne, mais Saturne en Capricorne donne l'ambition. Il va amener la réussite, l'ambition, mais aussi la possible chute. C'est tout un enchaînement, je dirais, à la façon dramatique d'un scénario. Comme on en connaît dans beaucoup d'histoires de vie, Saturne va donner l'impulsion, pardon, va donner de la persistance aux impulsions de Mars, mais va quand même néanmoins, comme pour tout un chacun, demeurer le réservoir du karma. Alors, il termine la chaîne planétaire, ça c'est ce que vous pouvez observer, et je dirais que tardivement, mais très certainement, ce fameux Simon sera amené, tout escroc qu'il est, sera amené quand même à vivre l'épreuve de la sagesse et à purifier son karma. Alors, c'est pas pour tout de suite parce qu'il est jeune. Il devra faire face, à mon sens, à une nouvelle expérience de la prison, de l'enfermement. Mais cette fois-ci, ça sera quand même le purgatoire final. Et je pense que, malgré tout, il suffit pas d'être astrologue pour le dire, mais on le ressent d'autant plus lorsqu'on est associé au symbole. Le natif est enfermé, et c'est ce que je vais tenter de démontrer par la suite. Il est déjà enfermé dans un fonctionnement pardon, transgénérationnel, dans un fonctionnement karmique qui l'incombe, alors qu'il croit tout simplement être le plus malin de la Terre en ayant adopté le rôle, en ayant endossé le rôle du roi des voleurs. Alors, cette même puissance qui se décèle hein, sous son thème, elle est sous-jacente. Elle le conduit jusqu'à présent à persévérer dans un affairisme, parce que même s'il a été arrêté, il continue visiblement en Israël. Alors, il est beaucoup moins visible et beaucoup plus protégé. Mais il semble, bah, de toute façon, il semble être fait pour les arnaques. Il est capable à chaque coup de résister aux obstacles matériels. C'est aussi cette persévérance que donne Saturne et Pluton, qui lui permet de renaître aussi de ses cendres à chaque fois. Bon, par ce fait et présence aussi de Neptune dans le même signe, et supposément donc dans la même maison que Saturne, donc en Capricorne, Saturne va prendre tout son temps pour édifier cette carrière de malfaiteur et conférer donc à Simon un esprit très matérialiste, étroitement lié à l'appât du gain. Il est fait pour ça. Enfin, on sent que c'est, y a que ça qui compte. Donc c'est un mécanisme chez lui qui a été appris et certainement retransmis inconsciemment. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on sent bien que Neptune vient ici amplifier à ce sujet un parasitage sur ce qui est à fonder, sur ce qui est à édifier. On sent bien qu'il s'agit d'une responsabilité à prendre vis-à-vis d'une mémoire familiale d'enrichissement. Et je parlerai d'une mémoire familiale d'enrichissement par des voies peu recommandables. Pourquoi? Parce que le nœud sud est en Lion, et le nœud sud va nous parler des mémoires familiales, et il est conjoint à Jupiter en maison 8, qui lui pose la problématique d'héritier, et donc d'héritage, et donc aussi d'acquisition de fortune. Alors, cet ensemble de choses fait que vibratoirement, bah, il est confronté à vivre et à transmuter cela, mais pour le transmuter, il faut d'abord le vivre. Alors, le natif répète, répète, mais à un moment donné des transits, il n'échappera pas toute sa vie à un destin qui, pour moi, semble dans son thème être un destin de réparation. Il devra réparer. Alors l'histoire nous dira quand et comment, mais nous dirons même qu'au-delà du gigantesque bruit médiatique colporté par l'aspect sensationnel de l'escroquerie, du crime commis, le natif dans son thème est porteur d'un ensemble de symboles qui,
à la lecture conduise quand même celui-ci incontournablement à agir de la sorte. Pour moi, ce n'est pas de son libre arbitre, et je dirais qu'il est mené par ses fantômes, en fait, hein. Sa lune étant chassée, donc il y a ses fantômes à dessiller. Alors, Uranus vient aussi soutenir l'aspect purement vénal de la nature humaine du concerné, ne laissant pas vraiment d'autres champs d'investigation possibles. Donc, Vénus, qui en est l'octave inférieure, est en vierge, donc elle vient prendre de la vierge le côté purement matériel, le côté purement comptable, le côté concret, et donc se transforme en quelque chose qui devient vénal. Le désir ici est de posséder, d'accumuler de la richesse et pas forcément de la conserver. Mais au-delà de ça, l'art qui peut être jouissif pour lui, c'est de savoir qu'il peut de toute façon, étant au-dessus des autres, étant le roi des voleurs, se savoir être un maître dans la capacité, un maître tel qu'il a la capacité à manipuler les autres pour leur soutirer les biens, et que tant qu'il est capable de faire ça, il ne pourra pas forcément redouter de manquer ou de ne pas pouvoir conserver. Alors, je reliais Uranus, donc comme octave supérieure de Vénus en Vierge, qui elle-même est conjointe à Mercure. Uranus, donc, peut doter le natif d'une certaine forme d'équanimité, c'est-à-dire une indifférence totale aux tribulations humaines. Bon, avec la perception, finalement, que tout changement n'est pas forcément l'œuvre de notre volonté. Il est capable de ressentir ça. Il est capable de se dire finalement, c'est pas grave si les choses changent et ne vont pas forcément dans mon sens. Comme je suis au-dessus de tout et que je sais tout manipuler, un petit peu à la façon uranienne d'un beau Prométhée, je vais toujours m'en sortir. Et ce même Uranus qui va certainement, à mon sens, lors des transits adéquats, inverser sa chance d'impunité pour l'instant, hein, puisqu'il n'a pas vraiment été condamné pour absence de preuves solides, en le confrontant soudainement à une surprise de taille. Et cela, à mon sens, arrivera tôt ou tard. Le seul contexte, ce seul contexte-là ne suffit pas pour expliquer que ça va se retourner, que la situation va se retourner. C'est tout un ensemble. Et dans cet ensemble, je vous l'ai dit, c'est une histoire karmique, c'est une histoire transgénérationnelle aussi. Les deux s'interfèrent. Et n'oublions pas que si nous avons une dominante plutonienne, avec l'axe scorpion-taureau qui est en jeu, forcément, les possibles trahisons sont à envisager. Donc il se peut que dans l'environnement du natif, dans son entourage d'escrocs, ben, il se peut qu'un jour ses amis le trahissent. Ses amis ou ses employés ou ses complices. Alors, les proies de Simon. Les proies de Simon sont de type terre, malgré tout, ce sont des filles solides, bien concernées, sérieuses, par le matériel. La plupart ont pu avoir des origines avec des milieux aisés, ou certaines ont pu acquérir leurs biens par économie ou par fortune personnelle. En tous les cas, ce sont des filles qui ont le sens des responsabilités, mais sur lesquelles il va pouvoir quand même actionner un certain levier d'envie, de rêve idéal, bien sûr. Il va activer le côté séduction avec le prince charmant. Mais derrière cela, derrière cette façade, il y aura quand même le côté dominateur, c'est-à-dire il va actionner le levier de la domination et de la soumission. Donc, derrière cela, il va réveiller chez ces jeunes femmes la culpabilité, parce qu'elles vont arriver à leur perte, en fait. Dans tous les cas, lui, il va se servir d'elle pour atteindre ses objectifs. Le seul but qu'il ait, au fond, c'est de se sentir capable d'exercer une autorité morale sur autrui. Alors, c'est avec ses propres règles, ses propres lois, et il les exerce aussi sur un groupe social et même sur une partie du monde. C'est quand même sensationnel qu'il soit condamné par certains pays et qu'il soit toujours en train de vivre en toute impunité en Israël, bien qu'il y ait des,
des sanctions prononcées à son encontre. Bon, mais cela, il le doit sur un plan astrologique à un défaut de connexion à sa dimension supérieure. On peut parler de sa construction sur un refus des normes, un refus des possibilités spirituelles, et ça depuis tout petit, car cela lui a été certainement pas montré non plus quand il était petit, et pour lui, bah, c'est pas quelque chose qui est forcément possible, envisageable, même existant. Le personnage n'est pas tout seul, comme on pourrait dire. Sa carte du ciel corrobore des manifestations perverties, hein. Lorsqu'il déclare, entre autres, qu'il peut tout avoir, acheter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, qu'il n'est pas fait pour attendre et qu'il doit passer avant tout le monde. Bon, on est sous l'effet quand même d'un soleil en chute, un soleil en balance, et ce luminaire, qui est dit à son détriment, là vraiment, manifeste. Habille vraiment le détriment avec toute l'énergie articulée par le parasitage ancestral, puisque ce soleil est en rapport avec la conjonction à l'ascendant Uranus, lune Saturne. Il y a un aspect de carré sur le thème. Donc, on voit bien que il est manœuvré, il est habité par quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors pour en revenir à la toute-puissance plutonienne, Pluton est en domicile en Scorpion. C'est la seule planète en eau, mais elle est chez elle. Et elle confère, parce qu'elle est quand même relativement isolée, elle se permet de s'appuyer sur des sextiles et donc de doter le natif d'une détermination absolue et d'un jusqu'au-boutisme total. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être important parce que ça sera souterrain. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, le natif va pas faire dans la dentelle. Il va s'appuyer sur Saturne et Mercure qui vont lui donner un mental d'acier imperturbable et le vouer tout entier à sa volonté de prendre le pouvoir sans jamais se laisser abattre. Il n'est pas là pour faire dans l'émotion puisque l'émotion, la première sensibilité qui a pu, peut-être sa blessure narcissique, hein, qui a pu le faire souffrir, eh ben il a mis ce mouchoir de terre par-dessus, de terre et d'eau, hein, on peut parler de quelque chose de souterrain avec le scorpion, et il s'est servi de cela pour construire un personnage et construire une intelligence qui serait à son service pour inverser le destin. Donc, il s'est construit une personnalité de manipulateur avec toute une palette d'outils à sa disposition. Alors, pour conclure, on pourrait dire que la noirceur du personnage, elle est aussi due à la présence de la lune noire en maison 12. Alors, ce qui n'est pas vrai pour toutes les lunes noires en maison 12, je vous rassure, mais ce qui est à relever ici, c'est que dans une des versions possibles, une lune noire en maison 12, on offre en général la possibilité d'aller sur un destin purificateur. Mais inversement, c'est aussi l'occasion de se laisser happer par des forces obscures et des forces malsaines. Donc, il a pu se protéger et édifier un mécanisme de défense finalement parce qu'il a peut-être tellement souffert à un instant T ponctuel qu'il en a déduit une sorte d'intolérance à la déception. C'est un peu ce que cette lutte noire nous évoque, qu'il a dû se construire parce qu'il fallait qu'il se protège de tout ce qui pouvait le déranger en ce bas monde, ce qui fait qu'il s'est construit une sorte de paradis artificiel, ingénieux, unique, et que dans cette construction, eh ben, il s'est laissé habiter par une sorte de folie. Il a construit une aliénation intérieure, et le résultat était la seule voie possible pour lui, c'est que pour cet enfant qui a dû souffrir certainement et honteusement d'un contexte de manque, ou de pauvreté à un niveau quelconque, ses émotions ont été refoulées, son environnement souffrant peut-être ne lui a pas permis de s'exprimer, et donc il a dû se construire sur une défense en construisant un personnage décalé, et c'est ce personnage décalé que nous connaissons aujourd'hui comme l'arnaqueur de Tinder. L'escroc a ainsi repoussé son destin, alors que normalement,
son destin aurait dû l'amener à prendre contact avec la souffrance humaine pour développer de la compassion, pour s'ouvrir spirituellement. Bon, il n'en demeure pas moins que tôt ou tard, il sera, à mon avis, lorsque les transits et les progressions le permettront, il devra y faire face. Alors s'il n'a pas su le voir jusqu'à présent et s'il a su au contraire éviter jusque-là le pire en termes de condamnation, il a quand même fait de la prison, il est recherché dans plusieurs pays. Dernièrement, on sait qu'il est devenu un coach en affaires. Il s'est un peu distingué dans son pays pendant le Covid en s'affublant avec des masques en dessous du nez, mais de la marque Louis Vuitton. Et bon, même si on pourrait se dire très facilement comme quoi il n'y a pas que Prada quand on déjeune avec le diable, on peut dire quand même que ce garçon-là est loin, il va revenir de loin, il revient de loin et devra tôt ou tard se confronter à son destin. Et c'est en cela qu'il aura besoin de son Pluton en Scorpion qui devra lui faire toucher le souterrain et l'aider à contacter son âme pour se régénérer. Voilà, j'ai terminé. Il y a encore bien évidemment plein de choses à dire sur ce thème. Je vous remercie par avance pour vos partages, pour vos commentaires et je serai heureuse de vous retrouver pour la prochaine publication sur la nouvelle lune. Donc merci encore à vous tous et merci à ceux et celles qui me suivent et qui cheminent avec moi dans la connaissance de leur symbole astrologique. Les découvertes aujourd'hui et l'époque font que les découvertes sont encore de plus en plus et de mieux en mieux, je dirais, heureuses. Et c'est toujours un véritable plaisir que de cheminer ensemble sur la connaissance de soi. À bientôt, merci beaucoup pour vos partages.